Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour le second épisode de notre Let's Play sur Donkey Kong Country Returns. J'espère que vous allez tous très bien. Et je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ce Let's Play. J'ai attendu d'avoir quelques-uns de vos retours avant de commencer cet enregistrement. Et vous êtes nombreux à être vraiment contents de retrouver les Kong sur la chaîne. Et ça me fait super plaisir parce que moi aussi j'avais envie de les revoir. Et j'avais envie de vous proposer ce jeu. Du coup c'est cool, tout le monde est content, c'est parfait. Du coup aujourd'hui nous allons continuer à commencer par le 1-6 Rai Ai Ai. On va essayer de bien se débrouiller. D'ailleurs vous m'avez confirmé qu'il y aurait bel et bien des niveaux K. Donc il n'y a pas de souci en fait, dès que j'aurai toutes les lettres d'un monde, le niveau K apparaîtra. Il me semble que c'était comme ça aussi dans Tropical Freeze, donc normalement il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, vous m'avez plus conseillé de prendre le Wiimote, plus que le Nunchuk et le Wiimote, mais bon, je continue comme ça, moi je m'en suis plutôt bien sorti la dernière fois, je trouve. Donc écoutez, on est parti, hop, jouer. On a 18 vies, donc pour le moment c'est plutôt cool. Donc on devrait s'en sortir, et normalement aujourd'hui on va pénétrer dans le monde 2, déjà. Alors je sais pas il y a combien de monde, dans mes souvenirs. Comme ça, de tête, en fait, ça veut rien dire ce que je dis, parce que dans mes souvenirs de tête, ça sous-entend que j'ai déjà fait le jeu. Enfin, globalement, normalement, je pense qu'il devrait y en avoir 7, comme dans la plupart des jeux de plateforme de chez Nintendo, et notamment, Tropical Freeze, il me semble qu'il y en avait 7, 8 tout au plus. Donc je pense qu'il y en aura à peu près autant. Hop, raté, hop, hop, hop. Alors, j'ai pas joué avant de commencer l'enregistrement, hein, je tiens à le signaler quand même. Allez, on est parti, c'est super joli par ici, j'aime beaucoup. Hop, bon alors attendez, on va pas s'amuser à souffler sur tout ce qui s'offre à nous. Hop là, on va juste récupérer pas mal de pièces parce que mine de rien, ça va m'être très utile, je pense. Et il n'y a rien par ici, ok. Mais écoutez, on fait du tam-tam, hein, écoutez, voilà, un petit peu ça. C'est trop classe, j'aime beaucoup. Hop. Et ici, ok d'accord, c'est juste une room bonus, très bien. Alors. Voilà, ça devrait aller normalement. Hop, on a 30 secondes pour tout récupérer. Oh, on saute pas assez haut, quoi. Sérieux. Alors, attendez. On va récupérer tout ça. Bon, alors, en plus, on récupère une vie, donc comme ça, c'est cool. La pièce, ça attendra. Ouais, quoique. Allez, il reste 5 secondes. Nickel. Parfait. Bon, ça va, je maîtrise plutôt pas mal le système de saut. Vu que c'est exactement le même que dans Tropical Freeze, donc normalement ça devrait aller au niveau du gameplay, ça va faire un petit peu comme Mario Galaxy 2 par rapport à Mario Galaxy 1. Du coup... Y'a pas que... Non, y'a rien ici. Bon, bah écoutez, hop. Allez, on casse ça. Et normalement, on est parti pour des rails. C'est super beau. Je trouve ça vraiment très très beau. Et c'est de la Wii, hein, donc ça commence à se faire un petit peu vieux. Mais c'était vraiment très très beau. Hop. Alors écoutez, on va essayer de se débrouiller. Ok, ça c'est des niveaux que j'aime beaucoup. Ok, première lettre. Ah oui, par contre là sur les rails, ça risque d'être un peu plus compliqué que la dernière fois pour les lettres. On va essayer de se débrouiller quand même. Hop. Alors attendez. Si j'arrive pas à tout récupérer, c'est pas grave. Bon, ça va. Ça va, c'est les lettres qui sont importantes. Ça va être dur pour les pièces de puzzle du premier coup. Ok, la caméra est un peu trop proche, je trouve. Ok, ça c'est bon, je l'ai eu. La caméra est un peu trop proche, je trouve. Ok, checkpoint. Ça c'est cool. Oh, c'était juste pour une vie. Bon d'accord, je pensais quand même qu'il y aurait une lettre. Hop. Nickel. Hop, allez, on se concentre un petit peu. Je trouve que ça va un peu vite. Bon, quoique, non, ça va, honnêtement. Honnêtement, ça va. Dès que je dis que ça va, de toute façon, il faut que je meure. Je pensais pas que c'était le one shot. Je dois vous avouer. Bon, bah écoutez, hop, on est reparti. Par contre, on a plus Didi. Mais bon, vu que c'est du one shot, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on récupère une vie. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Hop. Ouais. C'est plutôt cool. Hop, allez, on est reparti. Y a pas de raison que ce soit dur. Hop. Hop. La vérité dans cette histoire, c'est que je suis vraiment près de mon écran. Bon, ok, d'accord. Bien, j'ai pas d'excuses. Tout est une question de réflexe. Meurs. Merci. Tout est une question de réflexe. Oh, allez, on va pas peiner pour ça. Pas comme si c'était dur. Hop là. Et ça fait partie des niveaux que j'aime beaucoup, les niveaux à rail. Je trouve ça plutôt cool.
Hop. De toute façon, j'ai toujours ma vie, donc comme ça, c'est cool. Y a pas de problème. Voilà, là, on est bon. Cette fois-ci, on évite juste de mourir. Hop. Allez, y a moyen de s'en sortir. Hop là, toi. Ok. Un petit checkpoint, ce serait cool. Là, par contre, c'est pas passé loin. Ok, on est bon. Attendez, là, il n'y a plus de rail. Je pense qu'on arrive vers la fin. Wow. Non, j'arrivais pas à la fin. Si. Ok, ben écoutez, on s'en est sorti. Alors, question. Est-ce qu'il y a des sorties bonus, comme dans Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui mènent à des niveaux? Je crois pas. Je crois que ce sont les clés, hein, qui font office. Oh, mince. Ok, c'était pour avoir des bananes. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'il n'y aura pas de sortie bonus, comme dans Tropical Freeze. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais il y en a. Non, ça va, j'ai quand même eu 3 pièces de puzzle, hein. J'en ai loupé que 2 du coup. Donc ça va, finalement, je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Et normalement, on a accès au boss et au niveau K. Est-ce qu'on s'essaye à un niveau K tout de suite? J'ai quand même envie d'aller voir, alors attendez, on va y aller. Un K, sol insolent. Quitte à ce que je le regrette. Alors attendez, on va quand même aller vérifier une chose chez Cranky. Est-ce qu'on peut acheter des tonneaux? On peut pas acheter de tonneaux, ça c'est pas vraiment cool. Hop, bon bah attendez, on quitte la cabane. J'ai bien envie de voir le niveau K. Donc écoutez, bon, on va l'essayer. Hein. Un K, sol insolent. Si j'y arrive pas, là on va juste essayer. Si j'y arrive pas, on laissera ça pour plus tard. Mais j'ai bien envie de tester. Parce que ça faisait aussi partie... Bah ça fait partie de ce que j'aime dans ce genre de jeu. Hop, le challenge. Alors attendez, comment ça va fonctionner? Ouais. Ok. Bah d'accord, ok. Ok. Là on est bon. D'accord. Je sais pas trop... Je sais pas trop ce que ça va donner là, en termes de difficulté. Le problème dans l'histoire, c'est que j'ai que DK. Ce serait cool si j'avais Didi. Alors attendez, moi je veux bien qu'on continue. Pour le moment, ça m'avait pas l'air si compliqué que ça. Hop. Ça m'avait même l'air plutôt simple. Tant pis pour la pièce de puzzle, je l'ai déjà. Hop. Alors attendez, je me concentre un peu. D'accord, ok. Très bien. Alors, pour le moment, je trouve pas ça trop dur. Par contre, si vous ajoutez des éléments de gameplay que je n'ai pas encore vus dans les niveaux précédents, ce serait bien de me prévenir, parce que je savais pas là sur quoi j'étais. Visiblement, c'est des pneus, des genres de pneus sur lesquels je dois rebondir. Mince. Hop. Oui, j'avais dit que je faisais qu'un seul essai. Hop. Et alors ? Attendez, je suis pas à la fin. Non, ok, très bien. Hop. Ouais, non, tant pis pour la pièce de puzzle. On va juste se concentrer sur le niveau. Là, on est bon. Vite. Ok. Alors, attendez, là, on est bon. On n'est pas à la fin. Je pense qu'on se rapproche pas mal de la fin. Par contre, si je meurs là... Si je meurs... Si je meurs, je pense... J'essaye de parler. Non ! Ah là là ! J'allais dire, si je meurs, on s'arrête, mais j'ai pas envie. J'ai envie de réussir. On était pas mal, là. Hein. Attendez, je réessaye. J'ai envie d'y arriver. Je suis sûr qu'on était juste à la fin. Hop. J'imagine que les phases où il n'y a plus de plateforme, c'est, hein, entre guillemets, les phases de checkpoint. Voilà. Hop. Et je suis persuadé qu'on était proche de la fin. Voilà, donnez-moi des pièces bananes. Hop. Allez. On va faire ce niveau, comme ça le boss il sera insignifiant après.
Hop, il n'y aura pas de soucis. Tac. Voilà. Hop là. Ok. Pour le moment, on est bon. Là, ça va. On s'en sort. Là, je me contrefiche. Je me contrefiche pas mal des pièces de puzzle. Par contre, j'ai perdu un point de vie bêtement. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que je pense... que si je meurs, ce sera à cause de ça. Hop. Mince, j'ai pas réussi mon saut. Allez, on y retourne. Là, je m'en sors bien. On était pas mal. On y retourne. Hop. Si ça continue, on va pas voir le monde 2 dans cet épisode. Je pense pas qu'il y aura d'ellipse. Parce que c'est le deuxième épisode, donc faut peut-être pas abuser. On va pas commencer les ellipses tout de suite. Hop. Surtout qu'on progresse, donc ça va. Hop là. Faut juste pas que je perde de points de vie bêtement. Limite, là, sur toute la partie qu'on connaît, ce serait cool de pas perdre de points de vie. Hop. Allez. Premier checkpoint, on va dire. On va estimer que... Hop. Alors je me rends compte d'ailleurs que j'appuie comme un sagouin sur mes touches, donc j'espère que vous les entendrez pas. Hop là, allez, là, on est bon. Oh, c'est pas vrai, au même endroit quoi. Ok. Et je suis sûr que je vais mourir du coup au même endroit. Tac. Allez. Allez, allez. J'arrive pas à ce saut. J'arrive pas à le faire. Hop. J'ai le bon timing pour tous les sauts sauf celui-ci. Allez, on y retourne. Je m'en contrefous. Ça peut nous prendre toute la vidéo. On va y arriver. Les niveaux K, j'en veux. Hop, c'est des niveaux que j'aime beaucoup. C'est le genre de niveau de plateforme que j'adore. Du coup, on va pas se priver. Hop. Hop là, en plus on récupère plein de pièces bananes. Alors par contre, il va juste falloir que je fasse attention à mes vies. Je pense qu'il y a un moment on quittera le niveau pour... Oh, sérieusement quoi. Ouais, bah voilà. Je pense qu'à un moment on quittera le niveau juste pour récupérer des vies. Oh, quoique, vous me direz, j'en ai pas perdu tant que ça. Hop. Allez. Là, c'est la bonne. S'il vous plaît. Il faudrait juste que je me rappelle de la plateforme où je perds mon point de vie bêtement à chaque fois. Limite, je devrais récupérer les pièces de puzzle, elles m'ont pas l'air si compliquées que ça à récupérer, mais... Hop. On va dire qu'on n'est pas là pour ça. Hop là. Allez, allez, allez. On y croit. Je pense que c'est pas loin que je perds mon point de vie. Je crois que c'est juste après. Wow. Ok, c'est bon, j'ai pas perdu mon point de vie, c'est ici que je le perdais à chaque fois. Donc j'ai pas perdu mon point de vie, ça c'est cool. Du coup là on est bon. Hop. Et je pense qu'on se rapproche de la fin mine de rien parce que ça commence à faire long. Hop, hop, hop. Ah oui, et puis là évidemment, j'arrive. Allez, on est bon. Ok, nickel. Eh bien, écoutez, les amis. Premier niveau K de compléter. Eh bien, ça va, c'était sympa. Et du coup, il y aurait combien de niveaux 3, 6... Il y a 8 mondes, pardon, pas des niveaux, des mondes. Ok. Bon, eh bien, écoutez, comme ça, on a terminé le niveau K du monde 1. C'était cool, j'aime bien. C'est vraiment des niveaux que j'aime beaucoup, du coup, je vais pas me priver de les faire. Du coup, eh bien, écoutez, on est parti... pour le glouton grognon, le premier boss du jeu. Et on va essayer de s'en sortir, de toute façon ça pourra pas être pire. Faudrait que je récupère un Didi quand même, ça pourrait être vraiment sympa.
Mais je suis content de voir que, mine de rien, j'arrive à m'en sortir sans Didi. Ça, c'est cool. C'est bon à savoir. Hop, du coup, toi, tu viens. Après, Didi, je l'ai pas beaucoup utilisé dans Tropical Freeze parce que bah il y avait Dixie et je trouve le gameplay de Dixie bien plus intéressant. Mais bon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu es, déjà? T'es moche. Il est moche. Ok, lui, je pense qu'on va le revoir à peu près tout le temps. Je pense. Ah, oh, d'accord, mais c'est dans une arène, carrément. Ok. Alors, comment ça va marcher? J'ai aussi un niveau K, c'est pas toi qui va me... qui va me faire peur. Voilà, va falloir lui sauter dessus. Ok, très bien. Je pense qu'il y a moyen de lui sauter deux fois dessus. What? Oh! C'est malin. Allez, vas-y, viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Wow! Ah! Oh, sérieusement, quoi. J'ai pas fait exprès en plus, c'était pas voulu. Bon allez, il nous reste deux chances. Il nous reste une chance. Hop. Allez, encore trois coups je pense. Ok, d'accord, transformation Super Saiyan. Ça m'arrange pas cette histoire. Là, va falloir lui passer dessous je pense. Hop. Ok, allez, encore un coup. Vas-y, fonce-moi dessus. Si t'es un homme. Ok, très bien. Tu m'avais pas prévenu que tu ferais ça. Hop, allez, on y retourne. Ouh, on y retourne. Et du coup, c'est pas un homme, il m'a pas foncé dessus. Moi, je pensais qu'il m'aurait foncé dessus. Oh non, sérieux. Ça va pas le faire, ça. Mais... Bon, attendez. Ouais, vas-y, allez, tue-moi, t'as gagné. Non, mais des fois, il m'arrive de gérer, et d'autres fois, il m'arrive de faire n'importe quoi. Hop! Allez. Dépêche-toi. Vas-y, c'est ça, fonce-moi dessus. Hop là, voilà. Allez, reviens par ici. What? Ok, ça va, j'ai pas perdu de vie. Cette phase-là, elle est cool, en fait, parce que... Voilà, on peut lui faire ça. Et concrètement, on peut lui faire ça. Voilà. Du coup, la première phase est terminée. Frapper le sol, ça sert pas à grand-chose contre lui, j'ai l'impression. Hop. Allez. Vas-y, t'es le boss le plus simple du monde. Hop. Voilà. Limite, je devrais lui retomber dessus. Ce serait plus simple. Allez, vas-y, transforme-toi. Hop. En super glouton 3. Hop là. Vas-y, saute. Me fais juste pas le coup de l'onde de choc. Voilà, nickel. Voilà, c'était pas compliqué. Bah voilà, c'était pas compliqué. Toi, par contre, je sens, si c'est comme dans Tropical Freeze, tu risques de prendre cher. Allez, go. Oh, mais j'ai pas le timing, je voulais faire du... Je voulais faire un peu de batterie, moi, sur son masque. Bon, bah du coup, le monde est terminé, et du nouveau dans les musiques. Et j'ai donné un coup. Mais ouais, mais moi, j'ai commencé à taper quand le truc est apparu, en fait. Parce que souvenez-vous, dans Tropical Freeze, pour ceux qui ont vu le let's play, bah, pour le boss final, j'ai commencé à taper trop tôt, ce qui fait que j'ai pas pu lui donner de coups. Du coup, je comprends pas trop. Eh bien, écoutez, le premier monde, si on peut dire, est terminé. Donc ça, c'est cool, on s'en est plutôt bien sorti, je trouve. Et du coup, on est parti pour la plage. Et on va essayer de s'en sortir. Alors, je tiens à rappeler que moi, je m'étais arrêté à la plage, hein, j'avais pas été jusqu'au boss. J'avais dû faire les deux premiers niveaux. Du coup, à partir de là, ça va être vraiment de la découverte. Du coup, on est parti. En solo, toujours. Mais ça va, pour le moment, on s'en sort. On a réussi un niveau K et un boss dans le même épisode, donc ça, c'est plutôt cool. Je
pense que c'est bon signe pour la suite. Mais du coup, je suis en train de me dire, je sais pas combien de temps durera le let's play. Parce que j'ai prévu des épisodes de 30 minutes, hein, comme d'habitude, donc ça change pas. Mais... Enfin, en un épisode et demi, on a terminé un monde, en fait. Donc, sauf si la difficulté se corse énormément... Oh là, eh, je suis pas d'accord, moi. Sauf si la difficulté se corse énormément, je... Bah, je vois pas, en fait... Enfin, ça durera pas très longtemps. Enfin, je sais pas, écoute, au pire, on verra. Oh, une pièce de puzzle. Hop. Et je sais ce que vous allez me dire, Taka a essayé de récupérer les pièces de puzzle pour faire durer le truc. Alors le truc c'est que non, j'ai pas spécialement envie de faire ça, parce que hop, ça m'empêche pas de prendre du temps à récolter quelque chose dans un jeu quand c'est utile, et les pièces de puzzle vu que c'est que du bonus, bah voilà quoi. Hop, ça m'intéresse pas plus que ça. Contrairement aux LEDs qui, elles, me sont indispensables, surtout pour faire les niveaux que je risque de préférer. Ah, attendez, je crois que je me souviens. Yeah. What? C'est pas du jeu, ça. J'ai pas trop compris pourquoi j'ai perdu de la vie. Ah, je crois qu'on va aller sur la baleine. Attendez, on va quand même regarder ça, à quoi ça sert. Oh! Ok. Tant pis. C'était pour une pièce de puzzle, j'imagine. Bah ouais. J'ai essayé d'aller un peu trop vite. Et du coup, ça confirme mes souvenirs. On peut pas nager dans ce Donkey Kong. C'est un peu dommage, ça. Par contre, du coup, j'imagine qu'il y aura des niveaux dédiés à la nage. Hop. Alors attendez, on va y aller en mode speedrun. Tac. Wow. On récupère une vie. Tac. Oh, un coffre. Pardon. Oh bah attendez. Hop. Où est-ce que tu m'emmènes, toi? Ça peut être intéressant. Ouais. Très bien. Vous pensez qu'il faut les tuer? What? Comment je le tue? Comment je le tue? Attendez, vous pensez que... Comment je le tue? J'ai pas compris. Hop, on est reparti. J'ai pas compris comment je fais pour le tuer parce que... Ouais bon, toi. Ok, c'est plus drôle. Hop. J'ai pas compris comment je devais le tuer en fait. Parce que j'en ai tué un. D'une manière. On y retourne, je m'en moque. Hop, on est reparti. Tant pis si ça prend un peu de temps, j'ai quand même envie de voir. Même si c'est pour une pièce de puzzle. Ouais, voilà, ça marche pas. Ah, je pense savoir, attendez. Absolument pas. Ça, en fait... Voilà, comme ça, ça marche. Ok, très bien. Ah mais attendez, en fait je crois savoir, je crois qu'ils ont une cible sur la tête. Leur casque en fait a une forme de cible, c'est peut-être ça. Mais du coup, faut faire une roulade sur le casque. Pourquoi pas. Hop, c'est original. Hop là, vous m'excuserez. Mais maintenant, on est parti. Bon d'accord, très bien. On la refait. Yes. Hop, allez toi, crache tes bananes. Bon, quoique. Ouais, si, ça peut toujours faire une vie. On dit pas non à des vies. Hop. Ça me semble râpé. Ça me semble un peu dur aussi pour tout récupérer. Ok. Hop. Allez, on va essayer d'avoir le haut. Alors visiblement, ça va pas être comme ça. Oh non, pas des crabes comme ça. Attendez, on va prendre le cœur. Ok.
Ah, ça y est, j'ai compris. Ok, en fait, il faut lui sauter dessus. Hop là. Oh, c'est pas vrai. En fait, il faut lui sauter dessus pour qu'il arrête avec ses pinces. Qu'il arrête de nous embêter avec ses pinces. Et ensuite... Attends, je suis désolé. Hop, j'ai un petit peu de mal. Voilà, nickel. Du coup, je disais, il faut lui sauter sur la tête pour qu'il arrête de nous agresser avec ses pinces. Et ensuite, on peut donc lui rouler dessus. Hop, c'est élémentaire. Oh, attendez. Voilà. Et ça, hop, nickel. Du coup, ça nous fait un petit radeau. Ce qui ne m'enchante pas plus que ça, je dois vous l'avouer, parce que, on peut pas nager. Eh oui. C'était une époque où DK ne savait pas encore nager. Hop, bien. Premier checkpoint. Toi, tu m'auras pas. Ouais, je me disais bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une room secrète. Très bien. Très bien. Hop. Allez, on essaie de tout avoir. Ok, nickel. Bon, maintenant, j'aimerais bien sortir, s'il vous plaît. Hop, nickel. On est pas mal pour les pièces de puzzle, là. On est pas mal du tout, je pense. Ça nous en fait... Ah bah, nickel, on les a toutes. Eh bah, écoutez, voilà. Ça nous fera un niveau. Au moins un niveau. Hop. Avec toutes les pièces de puzzle. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein. C'est comme dans... Comme pour le let's play de Tropical Freeze. À la base... Enfin, si, au début, j'essayais de toutes les avoir... Mais avec le temps, je me suis dit que bon, ce serait peut-être mieux de pas essayer de toutes les avoir. C'est malin, ça. Et du coup, des fois, il m'arrivait d'en avoir une sans trop le vouloir. Hop. Bon, allez, faut que je fasse attention maintenant. Ça rigole plus. Bien. Bien. Nickel. Oh non, mais je lui ai touché la queue, quoi. Oh, c'est pas vrai. Du coup, alors attendez. Est-ce que j'ai toujours... Ouais, j'ai quand même... Hop, les 5, toujours. Allez, on est reparti. Par contre, du coup, je vais pas pouvoir récupérer. Si, il y a quand même un Didi. Ça, c'est cool. Mais je suis un peu déçu de cette mort, quand même. Hop, j'avais réussi plein de trucs stylés avec mes sauts et tout. Et je meurs juste parce que, voilà, la nageoire... hop là. Du requin m'a touché. C'est quand même un petit peu dommage. Hop, allez. On est parti. Tac. Hop, prends-toi ça. Hop. Allez, on est bon. Nickel. Mince. J'ai pas réussi ma roulade. Tant pis. C'est le seul souci du Wiimote, finalement. Enfin, même du gameplay de ce jeu. Qu'il faille secouer la manette pour pouvoir faire la roulade. C'est qu'il y a une petite latence. Et des fois, je pense que je vais pas réussir à la faire. Hop. Comment ça? C'est pas une vie, ça. Hop. Bien. On est bon. Ok, on n'y va pas tout de suite. Hop. Allez, on est bientôt à la fin du niveau. Voilà, là par exemple, j'ai sauté bien haut, bien comme il fallait. Bon, tant pis, on va attendre un peu. Tac. Là aussi, on va attendre un peu. Ah, c'est pas gentil, ça. Eh, c'est pas gentil.
Moi j'avais dit attendre, mais pas... Enfin... La plateforme aurait pu m'attendre aussi. Hop. Tac. Hop. Ok, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez jamais vivant. Hop. Ah, c'est pas vrai. Hop. J'aime pas les plateformes qui me feintent comme ça. Même dans le niveau K, ça me feintait pas autant. C'est ça que j'ai trouvé drôle, dans le niveau K, il y avait aucune feinte. Bon, vous me direz, c'est pas le but. C'est plus de l'adresse qu'autre chose, les niveaux K. Hop, j'ai pas vraiment le temps de me reposer. Oula! Mais vous êtes des requins ou bien? Parce que là, vous volez carrément. Hop, allez, on a toutes les lettres, donc ça, c'est cool. Et on se rapproche donc de la fin du niveau. Ok, j'ai cru que j'allais pas réussir à sauter assez loin. Bon, bah c'était pas mal, finalement. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Du coup, ça m'a débloqué quoi d'avoir toutes les pièces de puzzle? Vous ne me dites pas vraiment. Est-ce qu'il y a moyen de voir éventuellement quelque chose? Stade des niveaux. Ouais, d'accord. Ah mais quoique, je suis en train de me dire, le niveau 1, enfin le monde 1 était court, mais je me rappelle que dans Tropical Freeze, il y avait des mondes beaucoup plus longs que d'autres. Ah, peut-être ça aussi. En tout cas, moi, ce que je vous propose, eh bien écoutez, c'est qu'on se laisse ici. On aura moins avancé que la dernière fois, mais vu qu'on aura fait un niveau K et un boss, voilà. Je pense que c'est quand même plus intéressant, surtout le niveau K. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir, puis ça m'encourage toujours à vous proposer de plus en plus de contenu, de let's play et un rythme de plus en plus régulier. D'ailleurs, je suis plutôt content. Ces dernières semaines, j'arrive à vous proposer un minimum de 6 vidéos par semaine, et ça, c'est cool. Donc écoutez, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut!